Si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu continueras à être ce que tu as toujours été. J'ai partagé une cellule avec un mec qui avait ses mots tatoués sur la poitrine, en caractère japonais. Après 10 ans, le mec est sorti. Une semaine après, il s'est fait descendre pour avoir continué d'être ce qu'il a toujours été. Qui êtes-vous? Ethan. T'es le fils d'Eddie. Qu'est-ce que tu sais exactement de ton père et moi? Vous étiez les meilleurs amis, associés. Vous étiez des escrocs, les meilleurs de la ville d'après les anciens. Seul? C'est pas normal. J'arrive pas à me souvenir de la dernière chose dont j'ai été fière. Tu as de sacrées compétences qui pourraient m'être très utiles. De quoi tu parles? Je suis en train de monter une arnaque pour le Samaritain. J'ai le pigeon parfait. 2,5 millions de dollars. Ça pourrait être ton chef-d'œuvre. J'ai besoin d'une chambre d'hôtel classe pour me remettre en forme et où je pourrais régler les détails de l'arnaque. D'une femme pour faire l'appât. Et j'ai besoin d'un endroit où l'arnaque se déroulera. Super. Là, on est sur la même longueur d'onde, associé. On n'est pas associé, Ethan. J'en ai eu un une fois. Je l'ai tué. Tu croyais que j'allais faire quoi? Te pardonner d'avoir tué mon père? Ceci est une arnaque. Savez-vous qui je suis? Je sais exactement qui vous êtes. Qu'est-ce que tu lui as dit? Personne n'ira nulle part. Appelle-le. Rien ne change, tant qu'on n'y change rien.